Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle chronique chez Franck Cheval. Franck, comment est-ce qu'il va toujours bien ? Écoute, en pleine forme, tout va bien. Tu as une très belle guitare par-devers toi là, qui fait rêver, je pense, plus d'une personne qui sont en train de regarder cette vidéo. Donc, dis-nous tout. Oui, une vénérable. Ouais. Ça, c'est le Graal du luthier, j'allais dire, pour la réparation. Mmh. Puisqu'on est dans les années 30, exactement 1936. Et c'est une 00028, donc Martine, avec 00 pour la forme de caisse et 28 pour sa finition. Donc en finition avec le petit filet Ringbone et évidemment palissante de Rio pour la caisse. Voilà. Et cette guitare a le mal chronique, j'allais dire, de beaucoup de guitares de cette époque et même d'après. C'est les tables gonflent, les barrages étaient quand même allégés et la table est souple et donc a pris du ventre. Et les cordes se sont éloignées de la touche. Mmh. Et la guitare a souvent des manches qui creusent également un peu. À l'époque, ils étaient renforcés par une barre métallique, mais pas réglable. D'accord. Donc ça les renforçait quand même, mais si le manche pliait un peu ou prenait un angle... Vous ne pouvez pas corriger. Non, ils ont tardé à le faire parce qu'ils ont commencé... Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com.